propose till I get up. Time is barely on our side. C'est un bien sombre jour pour le réalisateur Claude Zidi. L'homme de 86 ans vient de perdre son fils Julien. C'est Skypeak, la société de production avec qui le défunt avait collaboré, qui s'est chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle, lundi 10 mai 2021. Zoom sur sa brillante carrière et sans doute son seul regret. L'annonce de son décès, Julien Zidi était connu du public pour avoir réalisé de nombreuses fictions diffusées sur le petit écran. Et au cours de sa carrière dans l'audiovisuel, le fils de Claude Zidi a collaboré avec la société de production Skypeak. Claude Zidi lors du tournage du film Les Ripoux le 15 mars 1984 à Paris, France. Photo, Getty Images. C'est d'ailleurs cette dernière qui a fait part de la terrible nouvelle le 10 mai 2021. Pour ce faire, la société s'est emparée de sa page Facebook. Triste nouvelle ce matin avec le décès tragique de Julien Zidi, réalisateur connu pour ses nombreuses séries télévisions policières notamment. Toutes nos condoléances à sa famille, peut-on lire dans le post. Issu d'une dynastie d'acteurs en tout cas, c'est une terrible perte pour les Zidi qui vient de perdre l'un des siens. Il faut savoir que Julien était issu d'une dynastie d'acteurs. Il est d'ailleurs l'un des 6 enfants du célèbre réalisateur Claude Zidi. Si le regretté avait suivi les traces de son père, il n'a pas été le seul. Comme quoi, Hélène, Claudine, Marie, Claude Junior et Soltan officient tous dans le monde de l'audiovisuel. Une évidence donc? Non, puisqu'au début, il voulait faire autre chose. Le réalisateur Claude Zidi. Source, Getty Images. Mais un jour, j'ai fait un premier stage dans ce milieu et au cours de celui-ci, j'ai découvert un métier que je trouvais extrêmement agréable, a-t-il confié dans les colonnes de l'Indépendant en 2019. Un regret? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il avait du talent. Ses contributions au petit écran Les Ripoux anonymes, Ripolis scientifique, section de recherche ou encore Alice Nevers le prouve. Et s'il avait un regret, c'est qu'il rêvait de réaliser un film pour le cinéma. Le décès d'Yves Régnier, la fille de Claude Zidi, Hélène, a eu une fille prénommée Lola avec l'acteur Yves Régnier. Pour rappel, ce dernier est mort le 24 avril 2021. Zoom sur la cause de son décès. L'acteur Yves Régnier. Photo, Getty.